Mon corps nous va l'étonner pour ça, Brandi. Mais je pas souhaité que vous jouiez pour ça. Si on n'est personne qui n'a pas rencontré Jésus, personne qui n'a pas fait la paix à Christ, personne qui n'a pas vivre dans Jésus, il n'a pas vivre, il n'a pas gagné la vie, on peut étonner. Depuis qu'on n'a pas rencontré Jésus, depuis qu'on n'a pas fait rencontre à Christ, ou pas gagné la vie. C'est exactement ça que nous allons voir ensemble. Proverbe, chapitre 8, verset 35. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Pas oublier que paroles ça yo, yo pas des paroles que nous capables d'hériter pour nous jouer avec yo. Personne qui pas rencontré Jésus, il pas gagné la vie. Personne qui pas fait la paix à Christ, il pas gagné la vie. Personne qui pas jamais connaît Jésus, il pas gagné la vie. Ça veut dire. Mais ma vive, bien calme, j'ai mangé, m'a bien respiré, m'a sorti, m'a voyagé, m'a entré. Ma vive, non. Qui ça la vie? Qui est au monde de la vie? Qui est au monde de la vie? Ça c'est un grand sujet que nous parlons pour nous traiter ensemble. Nous saluons dans le nom de Jésus. Qui est au monde de la vie? Dans Proverbe chapitre 8, verset 35, texte dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Qui ça la vie est? Qui l'a la vie même? L'orgue la vie, c'est lorsque vous rencontrez avec Jésus. Pour qui raison? Mais depuis l'aime fait, sous la terre, j'ai le sens, je connais ma vie. Pas fait ça, bien aimé, dites-moi, ou pas vivre. Ou seulement exister, ou pas vivre. Mais pour qui raison? Frère Kadem Dare, mais connaît pour qui ça? Non. Dans le jardin d'Éden, l'homme péché, l'homme désobéit, mon Dieu. Et tout le monde qui est dans la désobéissance, ou seulement exister, ou pas vivre. Ça t'im confuse. Yes, ou seulement existe ou pas vivre. Ou konn pou ki ça? C'est parce que dans le jardin d'Eden, lorsque Adam péché, Adam pa gen accès pour lui récupérer la vie encore parce que la vie séparée de Adam. La vie séparée de Adam à savoir de l'Éternel. Et bien Dieu tellement aimait l'homme, Dieu tellement investi dans l'homme. Dieu tellement pas voulu perdre vie ça que il était investi à. Dieu pral créer un moyen pour le capable récupérer vie ça dans mes Satan le diable à savoir de Jésus-Christ. Et bien lorsque Jésus pral venir dans Jean chapitre 10 verset 28 30, il pral dit que je leur donne la vie éternelle. Moi vini bay la vie parce que nous t'ai perdu la vie. Moi vini récupérer nous encore et offrir nous encore la vie parce que nous t'ai perdu la vie. Et quand que nous t'ai perdu la vie, ça veut dire que nous pas ta vivre malgré nos naissances, nous capable faire tout mouvement à corps nous capable manger, nous bre, nous sortir, nous entrer, nous posséder tout ça que nous t'a capable posséder, mais quand que nous pas gain la vie de Jésus-Christ, nous pas vivre. Mais qui ça? Comment on peut recevoir la vie? Recevoir la vie, je dis à même les possibles pour recevoir la vie. Parce que Dieu peut expliquer ça. Texte dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Comment on peut trouver, mon Dieu? Côté qui chantait dans 74, Créole Chant d'Espérance, il dit, nous sentons faibles, nous pas capables, qui laisse flot n'a pas passé. Sauveur a dit, responsable, joue la clé dans la prière. Dans Isaïe 1er, verset 3, le texte a expliqué pour le dire que, bœuf l'a qu'on met, cabrit l'a qu'on met, cochon l'a qu'on met, et même chien qu'on met, mais nous, l'homme, nous refusons qu'on met. Pour qui raison? C'est parce que nous pouvons recevoir la vie. Mais quand que nous allons recevoir la vie à sa voix de Jésus-Christ, qui sa texte a expliqué pour le dire dans Jean
1 Jean chapitre 2 verset 17, texte a dit « Oh, le monde passe, sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Moun ka fait volonté bon Dieu yo, y a prêté éternellement. Moun ki ge la vie yo, y a prêté éternellement. Et quand que yo parle de éternité, ça veut dire que Dieu pa yon Dieu qui yon bon Dieu jodi a seulement, et c'est un bon Dieu pour toute yon éternité. Vlo comprendre jodi a. Lorsque yo parle pi bas, pour expliquer ça, dans 1 Jean 5 verset 11, texte a expliqué pour dire « Oh, voici, amen, ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » Ça veut dire la vie pas dans l'autre monde, la vie pas dans Piboa, la vie pas dans maman, la vie pas dans papa, la vie pas dans machine, la vie pas dans voyage, la vie c'est dans Jésus qu'il y est. Mais quand que Jésus c'est la vie, et bien la vie dans Jésus, tout le monde qui est dans Jésus qui est la vie. Et ça fait dans Jean chapitre 15, Jésus peut l'expliquer pour dire que tout le monde qui est attaché dans le pied sept là, là pour le porter fuit. Ça veut dire que le monde qui est attaché dans Jésus, le monde qui a fait la volonté de Dieu, le monde qui est focus sur Jésus, il n'est pas capable de la vie. La vie, ce n'est pas un bagage que vous vendez. La vie, ce n'est pas un bagage que yo proposte yon côté non la vie pour Jésus fait apparition pour dire venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos venez dire qui ça moi venu pour me bailler la vie tout le monde qui senti que jodi a yo fatigué yo gen longtemps yo était dans ancien Adam yo gen longtemps yo était dans ancien homme ça jodi a moi venu pour moi offrir nous la vie que nous t'ai perdu a et la vie ça nous pas cap recevoir pas aucun autre monde. Et ça fait Dieu t'a accepté, essayer tout l'autre monsieur yo, Abraham, amen, Daniel, Noé et d'autres héros, yo ne pas tap kabano la vie parce que yo c'est des pécheurs qui fuyaient de Adam même j'en ensemble avec nous. Moi venir pour me dire avec vous même cap tande bounya. Pour recevoir la vie ça, ou seulement besoin accepté et reconnaissant. Apôtre Paul va le déclarer pour le dire aujourd'hui même, je dis à m'a déclarer ça. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mon bagage senti sous comme veut partager ensemble avec vous. Lorsque vous recevez la vie, ou pas recevoir la vie parce que pour venir faire chez off on recevoir la vie parce qu'on t'a perdu la vie. Tout le monde qui existait jodi a, yo senti que yo bien, c'est parce que yo pou ko chanm comprendre ça veut dire la vie. Le jour que on vive la vie en Jésus-Christ, le jour à vivre vrai personnage que ou même on t'a dû vivre là, que Jésus vini te vinn bail là à la croix, on ka comprendre que ou pas dans bonne place là. Jodi a kodoye. Zanmi, pas que personne qui a échappé de l'enfer s'il pas fait rencontre à la vie. Pas que personne qui capable éloigner de tout ça qui mal s'il pas d'accord rencontre avec la vie. Je dis à moi vienne offrir la vie qui c'est Jésus. Moi vienne porter ba ou la caillou la vie qui c'est Jésus. Peut-être que ou t'es dans l'église ou qu'a toujours dans tout programme dans toute activité mon pas de la vie. Moi vienne pour me dire aujourd'hui à recevoir la vie. Et recevoir la vie, qu'aimer la vie en tant qu'un bagage qui a une valeur, qui a un prix dans ce monde.